Parfois, il y a une impression hors du Canada que, disons, les fêtes francophones au Canada se limitent au Québec. Et en effet, c'est très différent. Il y a des communautés francophones partout au Canada. Cette communauté francophone au Manitoba et aussi dans la ville de Winnipeg, qui est ma ville natale, quartier qui s'appelle Saint-Boniface, une université bilingue, le Collège Saint-Boniface, mais ça existe beaucoup dans la province d'Ontario. Même une province comme Alberta, qui dans l'ouest du Canada, on a moins l'impression d'une réalité francophone, mais elle est très présente. En général, je pense que comme diplomate, on trouve que le français est un outil très important, presque utile dans notre travail. Bon, comme Canada, on a le principe, quand dans notre engagement diplomatique avec les pays francophones, ça se fait en français. Et j'ai vu dans ma propre expérience, s'agissant de n'importe quel thème, ça permet un autre niveau de communication, une confiance, qui est finalement, ce sont les éléments les plus importants pour avancer des thèmes, des questions, des difficultés. Pendant plusieurs ans, j'ai travaillé dans le domaine de l'environnement et surtout le changement climatique. Et là, quand on peut parler dans les négociations, surtout dans les couloirs, évidemment, ça s'utilise dans le cadre des Nations Unies, mais dans les couloirs où on essaie de convaincre des collègues d'autres pays d'un certain point de vue, de l'importance d'une certaine action, pouvoir communiquer avec certains collègues d'Afrique francophone, les Caraïbes. La conversation qu'on peut avoir dans leur langue est différente que si on impose. Ils sont normalement très, très capables en anglais, mais pouvoir parler dans leur langue maternelle, français, quelque chose qu'on a en commun, ça fait une grande différence. Autre exemple que je cite, vous savez peut-être qu'on affirmait l'année passée, un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Pour donner un exemple très concret, une députée du Parlement français qui est venue à Ottawa pour parler de certaines questions, certains aspects de cet accord, le fait qu'on ait, elle aussi était parfaitement compétente en anglais, mais le fait que nous, les négociateurs de l'accord, pouvions parler avec elle de ces questions, qui finalement ce sont des questions qui traitent les valeurs, pas tellement des questions techniques, sinon quelle est notre vraie ambition de cet accord. Le fait de pouvoir avoir cette conversation, cet échange en français, je pense que l'impact est fondamentalement différent et plus réussi. La phrase que je vais citer est une phrase qui a prononcé notre premier ministre à Justin Trudeau vraiment peu de temps après son élection il y a 2 ans. Et il a dit que la diversité inclusive est une force contre la intolérance, la radicalisation et la haine. Je rappelle bien les mots. Et je cite cette phrase parce que, pour moi, c'est une réflexion de l'essence d'un Premier ministre, ce qui plus entre tous les différents thèmes qu'un chef de gouvernement doit avancer, ce qu'il peut-être tient plus à cœur, mais aussi parce qu'il a fait de cela l'image du Canada au monde, un pays où on cherche à travers l'inclusion et à travers une relation positive avec la diversité, une force de notre société, et qui peut être une force positive partout dans le monde. Alors je pense qu'en effet, c'est en partie la fonction de la langue française au monde.